La majorité des questions étaient destinées à en savoir plus sur nos sources, sur la manière dont nous sommes procurés l'information. Le document révèle que des chars Leclerc sont utilisés sur le sol yéménite, que des navires français, des frégates françaises, participent au blocus maritime qui affame la population et qui empêche l'aide humanitaire d'arriver convenablement au Yémen. Et enfin que les canons français, les canons César, eux positionnés, c'est vrai, du côté saoudien de la frontière, ils bombardent sur des zones civiles. Ce qui fait mentir évidemment toute la communication gouvernementale sur l'usage qu'on fait des armes françaises au Yémen. La majorité des questions étaient destinées à en savoir plus sur nos sources, sur la manière dont nous sommes procurés l'information, nous sommes procurés le document. Et surtout, il y a eu des questions qui étaient assez intéressantes, dont on se demandait un peu ce qu'elles faisaient là, qui avaient trait à notre connaissance et la représentation qu'on avait de la nécessité de protéger le secret de la défense nationale. Un peu comme s'ils avaient voulu sonder le civisme des journalistes. Ils ont terminé par une question qui ressemblait à une question de baccalauréat, passionnante, mais à laquelle il n'y avait pas lieu de répondre. C'est « Accordez-vous la même légitimité à la loi de 1881 qui protège le droit des journalistes à taire l'origine de ces révélations, à protéger ses sources, qu'à la loi protégeant le secret de la défense nationale ?» Pour eux, la réponse est évidente. La protection de la défense nationale prime sur la protection des témoins et des sources. Pour nous, c'est juste l'inverse. J'ai donc répondu une phrase standard qu'on répond tous, je ne souhaite pas répondre à des questions parce que je crains que ça porte atteinte à la protection de mes sources. Voilà. C'est une manière donc de mettre un peu de pression sur les sources, de faire entendre aux sources qu'ils iront très loin, enfin ils convoqueront tous les journalistes qui ont révélé l'information. Dernièrement, avec la convocation d'Ariane Chemin, ils ont même convoqué le directeur du Monde, ce qui est aussi un très beau message aux sources, et aux lanceurs d'alerte pour leur dire « Regardez, on n'a pas peur de convoquer le directeur d'un grand journal ». Et ça pose aussi un problème parce qu'on est en ce moment dans une période de durcissement du gouvernement à l'égard du journalisme d'enquête. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a eu récemment le vote sur la loi de secret des affaires, la loi sur les fake news qu'a voulu voter le gouvernement, qui est une loi qui vise finalement à définir ce qu'est la vérité, non pas par les lecteurs et par ceux qui produisent l'information, mais plutôt par l'État. C'est complètement inédit. On n'a jamais connu ça avant. On n'a pas connu ça sous le gouvernement précédent, ni sous le gouvernement d'avant. Enfin, cela, c'est vraiment nouveau. On sent un durcissement. C'est légitime de les révéler parce que, d'une part, et on l'a évalué nous-mêmes, on n'est pas irresponsable et les médias de ce point de vue ont une responsabilité. On ne divulgue pas d'informations qui peuvent mettre des vies en danger. Ça c'est clair. Ce document ne met aucune vie en danger. Il ne met en danger même l'identité d'aucun agent sur le terrain, d'aucun militaire sur le terrain. Donc nous on considère que le secret défense ne se justifie pas. Et ce document a l'immense avantage de révéler une information d'intérêt public qui devrait normalement faire l'objet d'un débat qui dépasse le choix discrétionnaire d'un gouvernement ou d'un ministre. Bon. Et surtout parce que c'est un document qui prouve, sans aucune contestation possible, que le gouvernement a menti aux Français et à la représentation nationale sur un sujet important qui est l'usage qu'on fait des armes dans le monde.